Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne 242 Stéphanos. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Aspire, c'est pas trop, Inastels. Alors, comme vous le voyez, c'est un jeu de plateforme qui a été conçu, qui est sorti uniquement sur Nintendo Switch et sur toutes les plateformes Microsoft, donc PC, Xbox, Cloud, compagnie, vous connaissez toute l'histoire. Bref. Alors voilà, ça a été développé par Untold Tales et c'est sorti le 30 septembre 2021. C'est un très beau jeu que j'ai commencé sur... Que je vais commencer aujourd'hui sur PC avec vous et que je continuerai sur la Switch parce que franchement, c'est bien. J'aime bien avoir ce genre de jeu en lot là, en portable plutôt que de jouer en physique sur le PC. Et sur le PC, vous pouvez l'avoir sur l'Epic Game Store. Ouais, j'ai oublié de le rajouter. Actuellement, il est autour de 3 euros sur Game Store, sur l'Epic Game Store. Il est moins cher que sur Switch, parce que sur Switch, sur Nintendo eShop, je crois qu'il est autour de 14 ou 15 euros, comme ça, je ne sais plus trop. Bref, en tout cas, quitte à vous d'aller vérifier là-bas. J'espère que cette vidéo vous plaira beaucoup. N'oubliez pas de lâcher toujours les petits pouces bleus, parce que franchement, ça nous aide énormément. Et ben, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, ok, il faut que... Il faut que je switch là. D'accord. Ok. Bon. J'ai cliqué avec que le mauvais format. Derrière un océan argenté de machines détruites se dresse un imposant édifice, la tour. Ah, ok. Bien, bien, bien. Ça commence bien. Radieuse et inconstante, sa structure est telle que aussi régulièrement comme si elle respirait. Ce n'est pas tout, la tour a son propre cœur. Tu m'en diras tant. Et en parlant de cœur, ben n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de lâcher le petit pouce bleu. Il bat comme tous les cœurs. Ben, attends, sinon, au contraire, ça aurait été bizarre. Mais au lien de pomper. Au lieu de pomper du sang. Au lien de pomper du sang. Ah, c'est une erreur, c'était au lieu et non au lien. Ah, j'espère faire attention à la suite. Et qui restera à jamais endormi sans son prince charmant. Oh! Wow, 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 wow! Ah ouais, c'est aussi pour ton récompense en sauvetage. D'accord, ok. En tout cas, ça annonce la couleur là, hein, par contre. Hein. Est-ce que l'enregistrement. Ouais, il continue bien. Bon, on voit que c'est un jeu qui est très joyeux. Voilà quoi, ça promet. Oh, ah ouais, là je suis déjà... Attends, on va faire avec le A. Ok. D'accord. Je suis libre. Ah ouais, t'es enfermé dans la petite bouboule tout à l'heure. Avec ce style graphique, ce genre d'affiche de dialogue, ça me rappelle Pan Strip. Ouais. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, bah, je vous conseille de faire Pan Strip, c'est un très bon jeu. Et je vais le tester sur la chaîne, hein, sur la Switch. Je l'ai sur Switch, on va le tester sur Switch. Alors là, il n'y a rien. On ne peut pas encore accélérer. Tout ce qu'on peut, c'est marcher. C'est comme si elle avait une douleur ou elle s'était brisée quelque chose. Ouais, elle se tient le bras là. T'es sérieux? Et si je recommence? Ok. On n'a que le saut pour l'instant. D'accord. Ouais, le A pour sauter. Ok. Ah, la chevelure, vous avez vu comment elle bouge comme ça, là. C'est pas mal, hein. Franchement. Ça doit être un checkpoint. On sent que le jeu est fait en 2D. Oula. Là, ça m'a rappelé un peu... comment on peut dire ce jeu gris. Bah, tout le reste est en ruine, mais c'est pas nous tiennent encore. D'accord. Ah ouais, la pâte graphique, elle est vraiment top, hein. Waouh.
En fait, on s'attend pas à avoir une claque graphique pareille. Ça, je vous dis, les gars. Ça le fait de ouf. Attends, mais ça, c'est con, tu fais demi-tour. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas accélérer. Oula, j'avais pas fait attention. D'accord. Il y avait le jump. Ok. Donc, on peut grabber. Ok. D'accord. C'est bon, on continue. Enfin, ça, c'est juste la phase tuto, quoi. On te montre tous les mécanismes du jeu et tout. Ah, ok. Je croyais qu'il y avait une cinématique puisque ça avait fait un genre de zoom in. La corde. Pas mal. Wow, doucement, 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 doucement. Franchement, le carré design est pas mal. Ça, tu sens que c'est un jeu qui a été fait en 2D et non en 2.5D, en vraiment 2D. Tout ça, c'est que des sprites. Ouais, hop. Oh là là, purée. Elle ne sait rien faire, sérieux? D'accord, on avance. Là, ce miroir est bizarre, c'est comme s'il allait lâcher là. Là, c'est bon. Oh, vas-y, monte. Ok, on y va. Rentrer dans la bonne. Dans le bon collider. Oups. Ah, d'accord. Bon, allez hop. Tu dors? À qui tu parles? T'as vraiment une tête de monstre, ce truc. C'est bizarre, ça. Je sais pas trop. À qui elle s'adresse quand elle dit tu dors? Ok, donc c'est là qu'il faut venir. Il faut prendre. Voilà. On va pas souffrir 10 ans. Pour l'instant, c'est assez simple. Wow! Ah, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait attention. Donc, je disais tout à l'heure que pour l'instant, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais franchement, vous voyez tous ces effets de particules. C'est. Ouh! Y a du taf, hein, frère, y a du taf. En tout cas. Félicitations. Grosse félicitations aux équipes. Ah, j'ai pas fait attention. Je crois que c'est X. Voilà. Est-ce qu'il faut le lâcher? D'accord. Ouais, après les isométriques, un peu comme dans I. Comment on peut dire ce jeu là? Ori. La musique, ah, elle est top, hein. Et là, j'ai rien fait, frère. J'ai rien fait du tout. Elle a sauté toute seule. J'ai rien fait. Ouh là 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 là, la chute, la chute, la chute. Un sable rose avec plein de brillants. Franchement, c'est un autre niveau là. Là, vous voyez, là, je ne fais rien. Là, c'est tout seul, c'est une cinématique. D'accord. Étrange, je pensais que ça me ferait beaucoup plus mal d'être. Ah bon? Oh, t'inquiète, c'est que le début, hein? Vu l'époque dans laquelle tu trouves là, la douleur, tu vas l'avoir, ma petite, hein? Pour se faire ça, quand je fais pas ça. Là, là, là. Non, mais il se penche pas là. Voilà. Vas-y. Ah, mais je sais pas, j'arrive pas à l'autre là. J'arrive pas à me balancer tranquillement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, vous voyez ça là, comment on appelle ça? Bon, je sais même pas si je peux montrer ici. Voilà, comme ça chez vous, je vais montrer ça comme ça. C'est une espèce de petit de géant là en fait.
T'as l'impression qu'il y a eu un combat. Là. L'épée traverse le géant, en fait. Il y a eu certainement un fighting. Ça, c'est la tête d'un autre géant à terre. Ouais, il y a eu un fighting ici, là. Ça doit être le chemin de Camivra. Oula. Et c'est mardi. Ça, ce sont des inscriptions qui veulent certainement dire quelque chose, mais on ne va pas s'y attarder. Oula! Ah ouais! Les reflets dans le miroir. Et là, cette partie-là, un peu avec le son. Ça m'a rappelé Narita Boy. Excusez-moi si vous pensez que je dois me taire pendant qu'on fait les tests. Ah, ok, d'accord. Donc là, en fait, tu fais marche arrière. Ok. D'accord. Donc ça reste comme si on faisait une suite du niveau. Qu'on repartait au niveau précédent. Wow. Ça soigne de l'huile ou quoi? Ok. Oui, toi tu. Attends, est-ce que là-bas quelque chose? Non, non. Ok, on peut pas sortir. Donc on pousse. Ouais, c'est comme d'hab quoi. Ah, mais moi j'aime bien. Hein. Tu sens hein, toutes ces petites particules qui sont dans l'air là. Hop. Et moi j'ai un problème là quand je me balance au lieu de se balancer non mais ah tu dois maintenir la touche oh ben oh les gars ils me brûlent là quand même oh, ben, ouais. Et si tu enlèves ok voilà donc on y va. Franchement, pour l'instant, le jeu est pas mal du tout. Ok. Un joker. Voilà ça. Ça, c'est clair. Prenez-le-lui, pas moi, c'est un voleur. Moi, je ne suis qu'un petit bouffon sans défense. Ouh. Hey. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas un chevalier et je ne viens pas pour vous. Excusez-moi pour les voix, même si elles sont un peu pétées. Ben on s'amuse, quoi, voilà, quoi. Une minute, c'est le... Le cœur! Que? En même temps, j'ai l'habitude qu'on m'appelle de toutes sortes de façons. Bizarre. À Camivra, on m'appelait toujours la gardienne ou la sentinelle. Ah, mais non, ça veut dire que tu te défends quand même si on t'appelait comme ça. Lui, j'ai fait quelle voix tout à l'heure? J'ai complètement oublié. Oh là là, bon, bref, on change de voix. Et qu'est-ce qui vous a. Qu'est-ce qui vous a valu une telle collection de titres? J'ai été prêtresse. Il y a bien des rêves de cela. Un guide spirituel. J'imagine. Mais vous pouvez m'appeler Ina. Et que pouvons-nous faire pour vous, mademoiselle la gardienne sentinelle Ina? Ah. Bon, qui êtes-vous? Où sommes-nous? Une sortie. Ben, on commence par ben, le début. Ben, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah! Que voilà, question intime. Qui sommes-nous? Sommes-nous ce que nous faisons?
ce que nous sentons, ce que nous mangeons peut-être. Mais j'ai rien mangé depuis une éternité. Ce que je veux savoir, c'est vos noms. Nos noms nous ont été pris il y a bien longtemps. Mais n'ayez crainte, je préfère largement le titre de bouffon, comme je me fais appeler. Alors, le voleur, c'est lui? C'est à cause de ses mains. Elles peuvent tout saisir. Sauf le concept de propriété. C'est pas ma faute si les gens laissent traîner des trucs. Ben, c'est clair que c'est pour ça qu'ils sont piégés. C'est pour ça que vous êtes piégés dans ces caches? Qu'est-ce qui vous dit que ces barres sont faites pour nous retenir et pas pour vous empêcher d'entrer? Oh, le gars il veut jouer au psychologue quoi. T'es en tôle mais tu dis que non c'est pour rester. Non c'est pour empêcher quelqu'un d'autre de venir. Ah bah c'est bien. Mais vous ne voulez pas être libre? On doit bien pouvoir trouver un moyen de... L'enfermement est une sécurité. Les oiseaux en cage vivent souvent plus longtemps que leurs congénères sauvages. Je sais pas imiter le joker, donc vous avez déjà compris de quoi je veux faire. Ok, c'est bon. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Autre chose, parler à cœurs ouverts. Oui, où sommes-nous par exemple? Bon, j'ai arrêté de faire la voix parce que franchement, je suis fatigué. Pourquoi ces cachots? C'est une prison? C'est le donjon. Cet étage, en tout cas. Alors, les autres étages sont différents? Oui, mais le cœur n'est pas censé y aller. Au contraire, c'est exactement ce que le cœur est censé faire. J'essaie juste de trouver une sortie. Et vous vous êtes dit que les deux types en cage sauraient? Bah ouais. Tout est détruit, dévasté. Que s'est-il passé ici? La tour a été attaquée. Attaquée? C'était un assaut, une agression, un pillage, un massacre. Voilà ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas au courant? Je ne sais pas trop. Je crois que j'étais endormi, plongé dans un rêve. Vous avez rêvé pendant tout le carnage? Ça, c'est dormir comme une pierre. Ah, t'abuses, frère. Oui, sans doute. Une interrogation? N'hésitez pas à en avoir le cœur net. Vous avez l'air trop malhonnête. Allez, on se barre. Au risque de vous surprendre, est-ce qu'il y a une sortie? Une sortie? Des donjons? De la tour! Écoutez, je dois sortir! J'ai besoin de sortir! Les seules envies, les seuls besoins ici sont ceux de la tour. Écoutez ces grandes mots. Elle tentera de vous arrêter par tous les moyens. Mais on peut s'entraider. Ensemble, on peut échapper à cet endroit. La liberté a un prix, comme vous ne tarderez pas à le comprendre. Je ne peux pas rester là.
Je dois retrouver mon village. Mon papa. Ce prix, je le payerai. Ma foi, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, si le cœur veut sortir... Elle pourra parler à l'architecte. L'architecte ? Qui est-ce ? La créatrice de ce lieu. Elle connaît le chemin. Oh non, je me barre, hop. S'il faut faire toutes les questions, la vidéo va mettre 10 ans. Si l'architecte est la seule capable de m'aider, alors indiquez-moi où la trouver. Il fallait demander tout de suite. La sortie est droit devant. Vous ne pouvez pas la rater. Ah, je me suis bousillé la voix, mais purée, oh là là. Oh, quel bof. Aïe. Ils vont tomber, ça je suis certain. D'accord. Ils sont... Oh, ok. D'accord, là-bas c'est bon, on a quelque chose, mais ici on a quoi? Mais... Oh là là. D'accord, la sortie est par là, mais apparemment il y a des épreuves à faire en bas. Ah, ok. Ah, mademoiselle gardienne sentinelle Inna. Vous avez cassé la tour, pas vrai? Qu'est-ce que je dois faire? À mon humble avis, vous devriez chercher une... Flumailleur. Ah, ah, la voix est partie. Hein. Une quoi, une flumailleur? Comme celle que vous avez cassée. À une époque, il y en avait plein à les niveaux inférieurs du donjon. Par cette ouverture, il veut dire. Alors, je dois trouver une flumaille en bas et la brancher sur cette station d'alimentation. Que voilà un cœur qui apprend vite. Merci, n'ayez pas peur. Je vais trouver un moyen de vous libérer en échange, c'est promis. Ah ça, pauvre de vous. Donc c'est moi qui joue, c'est pas certain qu'on serait libre. Hein. Lol. On peut pas passer au-dessus? Bon, apparemment. Ok, là c'est bon maintenant. Voilà, hop, et on y va. En fait, il en faut un truc comme ça à l'étage. Ouais, venez noter cette performance, les amis. En tout cas, si ça vous plaît toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Parce que ça aide pour ce genre de performance. Hein. Franchement, j'y ai donné de ma personne et de ma voix. Je compte sur vous pour me... Je compte sur vous pour me le dire. Hein. Dans les commentaires, une note sur 10. Ça fait du bien. On peut sauter facilement. Wow, c'est toujours trop juste là. Wow. Attends, on dirait que je monte trop haut. Faut être peut-être. Voilà. Faut être plus bas. Ah, faut être plus bas, je montais trop haut. C'est pété là. C'est clair que c'est pété. On se penche jamais ici ou quoi? Bon, on va avancer parce que apparemment, quand j'essaie de. Je peux rien faire. Ok.
Attends, descendons d'abord, parce que là, je sais pas trop ce qui se passe. Ok. Je peux remonter, c'est pas un problème. Bon, Ah, d'accord, c'est ça. Je dois sauter, bim. Ok, d'accord. Attends, mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose aussi de l'autre côté? On peut pas courir. Essayons un peu de l'autre côté, hein, quoi. Comme on y est. Ah, soca. Oh, demi-tour. Je me suis retrouvé bloqué. C'est quoi cette histoire? Non, je t'ai bloqué quand même. J'ai pas pu bouger tout à l'heure. Là, actuellement, tu ne peux rien faire ici. Regarde si tu vois. Tu peux pas. Voilà. Ok. Voilà. Hop. Ok, je crois que ça peut être bon. On va essayer de voir si c'est bon. Ouh, wow, je suis paumé, purée. Je reviens du taf, tu es claqué, mais bon, que voulez-vous? Passion oblige, je dois vous faire une vidéo. Signer le contrat, quoi. C'est ça le contrat. Et hop, les. Voilà. Comme une grande fille. Ok. Non, ça se passe par ici, ma petite. Oui. D'accord. On va faire ça. Quand un jeu se passe trop bien, c'est qu'il y a forcément un problème tout à l'heure. Ah. Ok. Vous entendez ça? Yeah, qu'est-ce que je vous ai dit? Forcément, il devait avoir un problème. Ça, c'était une condition sine qua non. Voilà, grève en silence, même si je sais qu'il va bientôt ressortir. D'accord. Wow, le jump de malade là. Oh, le gars, il te fait un double jump, quoi. Correct. D'accord, il supporte pas la lumière. Ok. Ah, petit, tu fais des rêves chelous, toi. Hein? Les yeux dans le noir, la vie contre la nature. Bah, déjà, t'as un problème avec tes rêves, toi. Hein? Franchement, quand tu rêves d'un truc pareil, c'est que, wow, c'est chaud, hein. Après, bon, elle dit qu'elle s'appelle la gardienne de quoi? D'une ville, d'un temple, je sais pas, d'une cité, je sais pas ce qui se passe, en fait. Pas bien, j'ai pas eu le temps de tout bien lire tout à l'heure. Oh. Ok. Un esprit. Ah bon, c'est ce qu'il t'a dit? D'accord. Et lui va activer ça. Ok. Un esprit de l'énergie. Wow. Excusez-moi encore. Il n'est pas toujours aisé de faire des let's play quand on est super en forme.
Malheureusement pour moi, je ne suis que très peu. Ok. D'accord, là, je suis Keblo. Je crois que c'est X la touche action. Hein. Oh, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. Non, mais je peux rien faire ici. D'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire là, je suis un peu perdu là. Y. D'accord. Waouh, ça fait mal là. Hein. Regardez l'écran comme ça. Oh. Oh, je me tape un torticolis de malade mental. Hein. Ok. Donc en fait là maintenant l'esprit me suit. Ok. Ça veut dire que je peux envoyer de la lumière partout où je veux. Ok. Ah c'est Y pour envoyer de la lumière. Après tu reviens vers moi quoi. D'accord. Ok, bon, je peux pas récupérer sinon je suis bloqué donc. J'ai pas 36 choix. Ok, ok. Voilà. Juste positionner au bon endroit et tout récupérer au bon moment. Ça, ce sont des zones checkpoint. Wow! Ah, j'aurais peut-être dû sauter, mais j'aurais pas pu aller plus loin, hein, attends, normalement. Ah, ok. Ah, là, je suis foutu. Ah, là, je peux. Ah, je peux être foutu là. Oh, 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 oh. D'accord, là, il peut pas venir ici. Il peut pas, il est bloqué. Il n'est pas le seul à être bloqué, hein, mais moi aussi je suis bloqué. On va faire un premier test, on va faire un premier test. Oh là là. Oh là là! Oh la vache! Ah, il m'a eu. Merde. Ah ouais! Waouh, ça fait déjà 34 minutes que je joue! C'est beaucoup, hein! Ça va faire un long let's play. En fait, le but, c'est juste de l'emmener là-bas. Dépêche. Là, hop! La lumière,
Viens. Voilà. Dépêche. Oh! What? What? Non. On reste là, c'est bien. Reste là, c'est pas bien, c'est pas mauvais. Voilà. Ah, il s'est téléporté carrément. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais bon. Est-ce qu'il fallait que je prenne cette lumière avec moi ou pas? Je sais pas. D'accord. J'ai pas la traduction du mur. Je peux pas avancer. Ouais, il faut que je reparte prendre la lumière que je remonte avec ici. D'accord. Ok. Oh là 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 là, purée. J'espère par contre je vais pas le croiser ce con. Parce que là sinon. Ok, on se dépêche avant qu'il apparaisse. Voilà, hop, on y va. Ah, je faisais même plus attention à l'enregistrement. Non, ça va quand même. Ça n'a pas de souci. Au niveau de la voix. Ouais, la voix est bonne. Ok. Ok. Vas-y, tu poses. Et je crois qu'on récupère ça. Un passé, c'est-à-dire. C'est une pierre du temps. Wow. La pierre t'a choisi apparemment. Et vous faites attention aux gravures qui sont au niveau de... Hein, sur un mur. Les souvenirs du bouffon, t'es sérieux? C'est peut-être le... Non, ça doit être le roi qui est assis. Là, on a pris le souvenir du bouffon. Il nous reste le souvenir de l'autre, peut-être le voleur, ou je sais pas trop comment il s'appelle celui-là. Je vais quand même prendre ça avec moi. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Il n'y a plus rien à prendre, non? C'était juste ça qu'il fallait prendre. Juste en souvenir. Je crois que c'est tout, non? Rien d'autre. Il faut s'assurer de tout. Ouais, c'est ça. Rien d'autre. Waouh, il n'y a pas de pause, il n'y a rien. C'est un peu chaud, là. Ah, là où la musique change. Ça sent du bien. Ok. Mais ici, on a une ouverture. Voilà. Ça, ce sera un artefact qui me permettra de transporter la lumière. Quoi? T'es sérieux là? C'est limité? Bah, j'ai rien fait. C'est 2 secondes le truc. Bon attends, écoute, j'ai l'impression que... Voilà. C'est peut-être ça qu'il fallait faire. Voilà. On a un deuxième. Le but du deuxième, je sais pas trop. On va prendre le deuxième, donc c'est déjà là-bas. La route n'est même pas praticable. On laisse ça d'abord ici. Pourquoi la suite? Ah, d'accord, je vois.
D'accord, d'accord, je vois. Ça peut toujours nous servir. Donc ça, je vais prendre ça. Ok, ça, je vais mettre ça. Ok. Oh, aïe, 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 j'ai merdé. Allez, hop. Oh! Ah, les gars, ils étaient en haut, ils étaient pas en bas. Hein. Ah, je fais que descendre, là. Et bon, je sais que ça vous plaira pas, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis déjà à 41 minutes de capture. Ça fait beaucoup pour ce let's play. J'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure parce qu'on vous connaît, ça va pas vous intéresser. Par contre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une suite, il n'y a pas de souci. Vous me dites dans les commentaires et je ferai le nécessaire pour préparer la suite. Et ben, on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Il y aura un nouveau genre de vidéo qui va aussi arriver sur la chaîne. Il y a déjà une première vidéo de ce style qui va arriver, je crois bien dimanche. Si tout va bien, oh, samedi et dimanche. Mais bon, restez toujours connectés à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer, sur la cloche de notification parce que vous allez, je crois, peut-être apprécier. C'est un format qui pourrait peut-être vous intéresser. Enfin, je l'espère fortement. Et qui différenciera un peu ce que je suis en train de faire de d'habitude. Okay. Allez, on se dit à bientôt, la famille. Bye!